Alors du coup les amis, petite vidéo sur Garen, j'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup. Du coup bonjour sur YouTube si jamais. N'oubliez pas, on est en live tous les matins entre 7h et 13h pour ceux que ça intéresse. Et du coup petite game de Garen parce que Garen va être up. Alors je ne connais pas encore à l'heure actuelle le up qu'il va recevoir, mais Garen va être up. Personnellement je déteste ce champion, je trouve le champion vraiment trop fort, surtout à bas elo. Meilleur champion pour moi pour les débutants. Mais je sais pas ce qu'ils ont Riot avec ce perso. Ils l'ont up plusieurs fois, il a reçu quelques petits up. Et là il a encore up. En termes de stuff, bon, c'est assez basique, hein. Estropieur, de la mobilité, des résistances. Surtout et en termes de gameplay, je vois beaucoup de Garen jouer avec du rush phasique tout simplement pour pouvoir engage, disengage assez facilement avec le rush phasique. Auto QE, la mobilité du Q-spell plus le rush phasique vous permet déjà de pas vous faire slow et de vous en sortir assez facilement. Donc voilà, petit gameplay Garen, profitez-en parce que vous en verrez pas souvent. Voilà, on va un peu le défoncer. Hop, on va proc le rush phasique. Voilà, on va éviter qu'il proc sa poigne. On lui a mis un très bon trade là. On va juste mettre la ward pour savoir où elle va commencer le jungle. Mais voilà les amis, n'hésitez pas bien sûr sur YouTube hein, pour me soutenir et surtout m'aider à mieux me référencer dans l'algo de YouTube. Likez, commentez, vous abonner, c'est très important. Voilà, si vous avez envie de me soutenir les amis, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. On va juste clear la wave. Hop, hop. Et en même temps, taper la siège. Hop. Alors c'est worse pour moi parce qu'il faut pas oublier que j'ai un passif qui va me permettre de régène. Elle joue Ignite, faudra faire quand même très attention. Elle joue bouclier d'Oran aussi. On va prendre le Q-spell. Ok, elle m'a touché. Ok, on va reculer. Donc Garen, je trouve que c'est très anti-jeu par rapport à ça, par rapport à son passif. Qui fait que quand il est pas en combat, bah, il régène énormément. Et je trouve ça très dérangeant personnellement quand je joue contre. Bah parce que les gens vont justement pas vouloir se battre pour pouvoir régène. Du coup ça m'embête fortement. Son E là, tu vois ce que devrait faire ses Sejuani, c'est clairement désactiver mon passif. Hein. Je sais pas pourquoi elle le fait pas. On voit le Nunu ici. Donc il va peut-être potentiellement venir top. On va utiliser le W pour être stun beaucoup moins longtemps. Bien joué, beau flash out. Et normalement ça devrait tuer ici. Oh, nickel, très bien joué, très bon flash out de la part de la Lilia. J'aime. On va régène tranquillement. On n'oublie pas, on a le passif. Et on va surtout push la prochaine wave. Alors cette ward là contre Nunu, elle est pas opti. C'est très grave, hein. Le clear the wave par contre. Hein. En général, si je dis pas de conneries, Garen, ça joue beaucoup avec les bots assez tôt. Donc ce qu'on va faire, c'est ça, ça, ça et ça. Pour avoir plus de tourbilol. Parce que voilà, Garen se joue énormément avec son E, vous le savez, je vous l'apprends pas avec tous les gens qui jouent Garen. Voilà, je vous conseille fortement, les gars, pour les joueurs de Garen, pour ceux qui veulent progresser sur le perso, de regarder Stray. Hein, pour ceux qui le connaissent pas, très bon joueur de Garen qui est monté Tchal avec. Donc là, on va essayer juste de lui placer auto, comme ça, voilà, pour avoir le proc rush basique et reculer sur ça. Alors si je peux appliquer mon W, putain, elle m'a fait bien mal. Si je peux appliquer mon W au moment du CC, c'est le meilleur moment. Voilà, là ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de régénérer tranquillement. On a pris quand même, on a pris relativement cher. Ok, elle va passer niveau 6. On va quand même activer la potion. On va passer également niveau 6. On va régénérer. On a le Nunu top, donc l'idée, c'est de respecter le fait que Nunu soit top et de pas crever sur ce timing là parce que je risque de perdre beaucoup de gold, beaucoup d'XP. Donc on va respecter, on va attendre que le temps passe un petit peu pour forcer le Nunu à se barrer. Ok, Nunu. Oh ok, vous avez vu? On a respecté. Je pense pas qu'il puisse me dive. Ça me paraît un peu osé. Pareil, voilà, on a notre TF à côté. On va riger. Vous avez vu, hein, la siège n'a plus beaucoup de mana. Elle est un peu dans la sauce là. Hein. Pareil, faut toujours respecter. Peut-être que Nunu est encore là. Ok, on la force à utiliser sa mana. Je crois qu'elle a pas assez de mana pour Q-spell. Je fais genre j'ai peur, hein, vous avez vu. Je fais genre je me chie dessus alors que je vais juste lui pisser dessus. On voit l'Ignite qui... Allez, mange-toi ton R. Oh la nickel, vous avez vu. Ah, je savais pas que l'Ignite ça s'était compté... C'est génial ça. Je savais pas du tout, vous le savez vous, que ça pouvait être compté comme pour le proc rush basique ou pas? Soyez honnête. Ok, on a le pic là. Pareil, je crois que si je l'active, si je mets auto Q et j'active le pic, ça me fait proc le rush basique si je dis pas de conneries. Donc là on est très bien, on a nos bots, on a notre mobilité. On a tant pour leur lit qui est si difficile, on a pu farmer un petit peu pour augmenter nos résistances petit à petit. Plus le conditioning également. Et le pic qui va nous permettre de clear les waves en 2 secondes quoi. Ouais, effectivement ça proc. Hop, là on va activer ça. Des gars qui sont plutôt corrects, on peut dive. Hein. Ok. Alors il faut que ce soit Malilia qui tank, je pense. Ok, my bad. Oh, c'est fine, c'est fine. Vas-y, push, 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 push. Vas-y.
C'est, ça va, c'est fine, c'est fine, c'est fine. C'est correct, c'est correct. C'est pas opti, mais c'est correct. On va prendre un petit peu d'HP. Donc là, on peut retourner top, ça va bounce back vers moi. J'avais pas de R ni rien, donc c'est vrai que en vrai, le dive, c'était peut-être pas le meilleur call à faire. Mais c'est fine, regardez. La wave, hein, qui est pas trop mal, qui va revenir vers moi. Donc en attendant, au lieu de courir top bêtement, bah, je vais juste tout simplement faire un petit passage par le mid avant que la wave se fasse push. Et voir si je peux pas récupérer un petit quelque chose. Là, on voit le Nunu par exemple ici. Là, là. Ok, voilà, force à force le flash, c'est bien joué, c'est bien joué. J'ai pas activé mon... On se met devant pour pas qu'il puisse dash. Et voilà, nickel. D'ailleurs, on s'est bien mis devant. J'ai obligé d'utiliser mon pic de fouet, hein, je suis une merde. On se met bien devant pour pas qu'il puisse dash out, en fait. C'est où il allait vers le TF, où il utilisait son dash contre moi, donc il était un peu baisé. Voilà, là, c'est... Ouais, c'est dur de farmer avec Garen. Ouais, j'ai eu toute la wave, trop fort. On continue à push. Ça TP. Hop là, et on s'en va. On a bientôt l'estropieur. On voit le petit Nunuz qui aime bien me faire des petits coucous. Et du coup, il va me donner ce petit kill. Là, c'est Juani qui va tenter de me go. Hop, on va faire ça. On va aller vers le TF tranquillement. On va la bait un petit peu. Hop, auto-E. On va proc le rush basique. On va mettre le truc, l'anti-CC, elle va me CC derrière. On va essayer d'esquiver un peu. On va auto. Faire proc le pic de fouet. Et voilà, nickel. Bien joué. Très bonne décale du TF. Alors j'ai un petit peu troll. J'aurais peut-être dû me rapprocher un petit peu plus du TF. Mais bon, ça va, ça passe. Et là, pareil, qui coule lol. Allez, olé, olé. Hop. Et c'est fait. On va activer le shield vite fait. Et le R. Et j'ai été meilleur. GG à moi. Alors par contre, mon W, faut vraiment... pas besoin d'Hérald. Pas besoin. Pas besoin d'Hérald. Non, il fallait pas. Là, tu vois, l'Hérald, il est pas bon. Il est pas bon parce que la tour, je l'aurais eu sans Hérald. Là, c'était plus intéressant de jouer ailleurs. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique. C'est juste un peu dommage. Après, par contre, si je prends la T2, on peut dire que l'Hérald est worse. En vrai, vu que la CG est toujours mort, il y a moyen que cet Hérald soit pas si mauvais que j'ai été un petit peu mauvaise langue. Ok. Ok, bon. Bah non, finalement les rales étaient... Oh. Hop, on utilise le W maintenant. Hop, on esquive. Je pense qu'elle va me tuer. On essaye de bouger. Tac. Ah, elle m'a baisé, ça se joue à rien, je suis dégoûté. Bon, on va courir top, on va mettre de la pression sur la wave, sur la lane, pardon. Et je sais que t'es là, Makai, du coup. Mais tu peux pas survivre, bébé. Voilà. Ok. On va push. On va aller chercher le carap, je pense. Et on va décaler mid. Parce qu'il y a des choses à faire en mid lane. Il est où, le Nunuz? Est-ce qu'il est pas là, par hasard? Bah, c'est pas t'en sortir, mon coquin, quand même. C'est des kills pas très compliqués à récupérer, on apprécie. En plus, on a un blue buff. Alors pour faire les camps de la jungle, c'est assez insane, hein, le E qui met 20 millions de dégâts. Moi, je veux juste ça. Hein. Là, elle va mettre son CC, voilà. Il y a, je pense, Nunu qui va arriver. Je sais pas si j'ai assez de dégâts. Je connais pas trop les dégâts de Garen pour être honnête, donc Ok, Triomphe qui va proc normalement. J'y joue pas Triomphe. Ah mais non. Ben non. Non, je joue pas Triomphe. Ben non, je joue pas Conqueror. Ok, alors il me semble que Garen ne se joue plus avec ce truc là, parce que ça donne plus de mobilité, donc ça vaut plus trop le coup. Je sais pas si ça peut se jouer au bout du rouleau. Ouais, on va tester, hein. Ça donne de l'attaque speed, c'est bien quand même. Là, je vais aller défendre mon ADC. Là, le blanc va clairement grid, hein. Oui, dommage. Je tue ou pas? Ok, je sais pas si c'était le bon, j'ai pas trop attention. Ouais.
Let's go, merci. Oh, la lanterne qui me sauve les miches. Là, la MF reste. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté. Hein. C'est fini tout pour eux, là. Là, on va juste... On va laisser le trash tanker, potentiellement. Je pense que c'est le plus intéressant. Ah, j'ai été meilleur, hein. Oh, mais vas-y, je meurs à chaque fois sur le dernier tick de l'Ignite. C'est chiant. Vas-y, je vais go mal. Elle va me stun. Je vais la slow. Hop. Okay. Mais oui, mais s'il n'y a plus le blanc ici. Aïe, j'ai un peu merdé. C'était pas terrible, je crois. Ah, je crois que j'ai... Il y a des petits misclics par-ci, par-là, je crois. C'était pas... Ah, les creeps, ils ont pris un peu leur part. Mais ouais, les gars, des fois, je bifurque un peu. Je sais pas, parce que je les aime pas, les CS. Aïe, aïe, j'ai un peu grid. Bah, j'avoue que je me suis un peu enflammé ici. Ah, je savais que c'était elle. On peut peut-être aller chercher cette tour, ouais. Ça va mon petit Vano la forme. Oh mais lâche-moi la grappe un peu là. Je mets pas de dégâts par contre. Ok, je pensais pas que je lui mettrais pas de dégâts comme ça. Oh. Oula, oula, oula. Wow. Je sais pas s'il meurt avec l'Ignite. Non, il s'en sort. Ouais, ok, je peux survivre. Le problème, c'est qu'ils ont pas mal de kiting, c'est assez chiant. Drake dans quelques temps. Bon, sais-je, il faut que j'abandonne un peu. Ah, c'est trop, frère. Je lui ai mis moins 1005 avec. Est-ce que. Eh ben voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, allez, go Nash. Go Nash, go Nash, go Nash, 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 la team. On va W sur ce timing-là. Elle va vouloir R. Voilà, elle m'a herbe, sauf que j'ai une malmo, du coup tu peux rien faire. Allez, Nash, Nash, on perd pas de temps les amis, il faut pas trop perdre de temps sur des gens inutiles. Je sais pas si me... Le, non, le baron me... Si, si, le baron me désactive mon... Oh, en plus sur les objectifs, tel le Nash, c'est pas mal. Hein. Attends, on va aller lui péter la gueule à lui là. Je vais aller lui bouffer le cul. Ici, viens ici mon petit Nunuz. Viens là, j'ai envie de te dévorer ton petit cul là. Bon, bah, Luc, c'est bien aussi en vrai. Hein. Moi, Luc, ça me plaît aussi. Hein. MF, ouais, c'est pas mal aussi, MF. Hein. Bon, c'est Johnny, c'est bien. Oh, mais ici, toi. Mais ici. Voilà. Couché. Attends, il y a une petite Leblanc, là, je crois. Ouais. Mais ici. Non, je crois que... Hop, elle va redash. Oh, non. Attends, j'arrive, j'arrive, ma caille. Hop. 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 Et hop, là, ça, c'est bon, ça. Allez, on va push, on s'en bat les couilles de la Leblanc. Enfin, on s'en bat peut-être pas trop les couilles. Ah, si. Oh non, mon bébou, c'est pas... ça me plaît. Vraiment un perso de type débutant, quoi. Si... Vraiment, si vous voulez, vous êtes stuck, vraiment très bas et low, les gars. Vous faites pas chier. Hein. Mais ici, toi. Ah, j'ai pas tué. Je m'en vais, je m'en vais. Et hop, là, vous avez vu, comme une petite sassa, je m'en vais. J'attends que mon passif arrive. J'attends que mon passif arrive tranquillement. Je vais full régène et je vais re-rentrer dans le lard. Voilà, hop, 64. Dégage-toi. Hop, bon, lui, il veut faire le malin. On va le slow. Voilà, mais c'est bon, tu es foutu, j'ai une malmo. Tu peux rien me faire, ma caille.
Ah, par contre, l'AMF, elle peut me faire quelque chose. J'ai un peu parlé trop vite. Alors, ce qu'on va faire, je vais jouer avec ça. Je pense pas qu'ils vont chase une Lilia. Si, peut-être le blanc, il va passer par là. Elle m'a baisé, putain, je le savais. Hein. Je le savais. Au moment où elle a dash, j'ai claqué sur mon flash, je me suis dit, je fais de la merde. Oula, 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 oula. Le slow. Oh, c'est bon, t'es foutu. C'est le moment où tu te régales un peu là, et dégage. Ah. Oh la coquinette. Et ben voilà, c'est sympa la game.